Il est l'heure d'un nouvel épisode du Journaz avec Blazu. Bonjour Blazu. Madame, monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce Journaz, les applications pour faire des rencontres sont de plus en plus nombreuses. Une nouveauté suisse bientôt sur vos smartphones. Reportage tout à l'heure. Mais tout de suite, ce vent du sud. Alors, je t'offre un verre ? Non, je vais rentrer avec mon mari. Ah oui, le vent du sud, bien. Violent celui-là. Pas mal. Il n'est pas 17h49. Ah bah vous écoutez le Journaz. Ah bah oui. La petite devinette du matin. Quel est le contraire de devinette ? Devis flou. Par exemple, ça va vous coûter entre 10 et 2500 francs. Ça, c'est un devis flou. Un devis flou. Le duplex du Journaz. Nous sommes en ligne ce matin dans le duplex avec Yvan. Salut. Salut. Tu es un élève du gymnase Auguste Piccard à Lausanne. Ouais. Et ils sont en train de construire un nouveau bâtiment avec des salles de classe. Ouais. Merci, bonne journée. Salut. Voilà. Intéressant. Ouais. Vraiment intéressant. On passe à la partie reportage du Journaz maintenant. Et encore, j'ai galéré pour l'avoir en live ce mec. Ah bah tiens. Je vous le disais en titre, les systèmes 2.0 pour faire des rencontres, par exemple des applications pour smartphone, sont de plus en plus nombreux. Découvrons ensemble cette application suisse qui vient de sortir. Salut, ça va? C'est le nom de cette nouvelle application de rencontre suisse-romande, Kevin Favre, instigateur du projet. Bah on s'est dit les gens, qu'est-ce qu'ils se disent quand ils se rencontrent? Bonjour. Ouais, mais pas que. Coucou. Ouais, ou salut. Ah oui. Et après ils se demandent si ça va. D'accord, oui. Donc c'est une super idée de nom en fait. Nous avons suivi ces deux jeunes de Morges qui se sont connus grâce à Salut, ça va. Alors là j'ai rendez-vous avec un certain Michael maintenant. D'accord. Ah, le voilà. Ah. Salut, t'es Stéphanie. Salut. Ça va? Oh putain, bien joué. Yes. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il a gagné. Et gagné quoi? Ben un point. Wouhou. C'est le premier qui dit ça va. Ah bon? Aujourd'hui, on compte plus de 1200 salut savistes en Suisse romande, ce qui est pas mal. Ah voilà. Je suis parti rencontrer les deux joueurs qui sont le mieux classés en Suisse romande. J'attends Fabrice là, qui devrait arriver. Oui, vous avez l'air tendu. Ouais, plutôt, ouais. Ah, il est là, il est là. Salut, enchanté Fabrice. Pierre de même. Ça va? Ça va? Oh joli, yes. Salut. Oh merde. Ouh. Fort du succès de Salut ça va, Kevin Favre est déjà tourné vers son prochain projet. Ça va s'appeler Merci à toi aussi. De rien. Voilà, c'est le retour de Célibatman. Hein. C'est un jeu pour lui. Ouais. Donc téléchargez cette application et gagnez des points et devenez champion. Vachement bien. On va se quitter avec ce témoignage de cet escrimeur suisse. Qui n'a pas enlevé son, son home. Merci Blazu. Blazu qui revient demain pour le Tradusong. Bisous.